Je voulais vous dire un truc. Vous avez triché au match. Et vive l'Algérie. One, two, three, vive l'Algérie. Belmadi. Le mouti'alik. Je suis avec un tricheur corrompu. Voilà. Tricheur corrompu. Voilà les tricheurs. Vous savez quoi, les amis? Vous avez vu cette vidéo là, non? Ça me fait doucement rire. Quand je sais que un être humain normal, un être humain qui sait où il va, un être humain qui veut avoir du succès, un être humain qui veut réussir, doit comme ça apprendre de ses échecs. Et vous savez, ici qu'on apprend de tout, hein? Tu peux apprendre dans le football, comme tu peux apprendre à marcher en route, comme tu peux apprendre je ne sais quoi. Bref, on apprend de tout. Voilà quelqu'un qui se lève un bon matin, quelqu'un que les gens vénèrent dans l'Afrique, quelqu'un que les gens aiment dans toute l'Afrique, quelqu'un qui a représenté toute l'Afrique en Europe. Tu te lèves comme ça là, à mon Dieu visuel, hein, dans la chaîne internationale. Je ne sais même pas comment il a fait d'ailleurs pour se trouver là-bas. Hein. Il se permet de parler à quelqu'un qui a représenté toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique en haut là-bas, au nord là-bas, que ce soit le sud, de l'est ou de l'ouest, bref, toute l'Afrique. Tu te lèves, tu parles à quelqu'un comme ça là dans un événement comme celui-là et ça va faire comme ça le tour du monde. Je dis, il a fait comment pour se retrouver là-bas, hein? Le Qatar, les gens qui organisent là-bas, vous avez fait comment? Je dis, quels sont les critères des invitations là-bas au Qatar? Comment est-ce que vous faites pour que certaines personnes arrivent là-bas? On ne comprend pas comment il a fait pour se retrouver là-bas. Alors comme ça là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que je me suis dit, ouais. Depuis là, j'ai fait un direct hier, je me disais que okay, ce n'est qu'au niveau du foot, mais le fait que tu vas insulter comme ça une icône de l'Afrique, parce que Samuel Eto'o n'est pas Samuel Eto'o du Cameroun, Samuel Eto'o est Samuel Eto'o de toute l'Afrique, et d'ailleurs il est l'un des personnes les plus aimées actuellement en Afrique, avec ceux qui veulent apporter même déjà en Afrique, avec les bagarres même que ces gens-là ont fait pour toute l'Afrique, pour le football africain, et qui continuent à faire pour que ça doit changer chez nous, on doit nous respecter. Et toi, qui n'a rien compris, qui ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui, de quoi il est question, ah, il est ci, il a ça, blablabla. Jusque là, je vais vous montrer encore une deuxième vidéo. Pour ceux qui vont rester avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'il est allé encore plus loin. Et je vais vous montrer d'autres personnes qui sont encore allées plus loin. Parce que je me dis, cette histoire de football-là, le foot qui est censé réunir ici va certainement nous diviser. Ou c'est quoi? Ou alors certaines personnes, ils ont quelque chose là. Ils ont le tibia à la place du cerveau, quoi. Bon, comme on n'est pas là, on va essayer d'éduquer. Vous savez qu'on est ici dans la chaîne des voyageurs de Benga. On va se prendre juste après pour vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est né, il en est ici, là, pourquoi ces gens-là arrivent à ce niveau-là et pourquoi cette prise de tête, quoi. On se prend comme ça après le générique, hein. Amis, comme vous savez toujours, il y a des choses quand ça arrive dans nos vies, parce que vous savez, je vous ai toujours dit, tout ce qu'on fait ici là, on se sert des événements qui se passent tout autour de nous pour qu'on essaye de moraliser, pour qu'on essaye d'amener certaines personnes à comprendre la nature, comprendre la vie et puis à changer d'ailleurs pour que nous tous on en profite, quoi. Parce que quand quelqu'un est un peu égaré là et puis on le recadre un peu comme celui qu'on va parler aujourd'hui là, il peut revenir à la raison avec d'autres personnes aussi là, parce que ils ont oublié que nous tous on est dans le même bateau, quoi. Ils ont oublié que tous on est dans le même bateau, vous le savez d'ailleurs, hein les amis, parce que
Peut-être parce qu'ils disent souvent qu'ils ont le troupeau là, quoi. Mais en même temps, là, on est dans le même bateau, on subit les mêmes choses, on a connu les mêmes choses. Bon, c'est pas là-bas qu'on va ici, on reste dans le football d'ailleurs, vous le savez bien. Alors, pour vous dire, ça me fait du sommeil. Quand certaines personnes se lèvent aujourd'hui, ils appellent le Cameroun très cher, mais attendez d'abord, hein. Respectez le Cameroun. Le Cameroun n'est pas votre camarade. Hein? Le Cameroun, vous n'êtes pas là à l'école ensemble. Vous nous êtes allé faire des petits. Hey, attention, hein, il faut nous arrêter ça très vite. Vous pensez que vous pouvez aller au champ, comme on dit souvent, là, s'égarer un peu plus. Les Camerounais savent aussi s'égarer. Hein? Mais comme nous, on ne va pas aller dans cette tendance-là, parce qu'on dit souvent, quand un fou vient, il prend tes habits, là, que tu es en train de te doucher, là, en rivière, là. Il vient, il prend tes habits, commence à courir. Si tu suis le fou, là, tu seras aussi. Oh, c'est toi qu'on va appeler le fou, le vrai fou, parce que toi, tu seras habillé. Lui, il sera habillé, toi, tu seras mieux, quoi. Donc, attention, les amis, je vous implore, si les Camerounais, les gens que je vois faire les vidéos de Paris et d'autres, là, il faut pas suivre ces gens-là. Parce que moi, je suis allé dans les pays arabes, je connais comment ces gens-là sont. Il y a beaucoup que je ne vais pas insulter ici d'ailleurs, comme ceux que je vais voir là, qui n'ont pas poussé, hein, qui n'ont pas poussé leurs pensées un peu loin, leurs études un peu loin, qui sont égarés. Peut-être ils sortent d'une famille de telle, comme celui qui se retrouve là. C'est pour ça, une famille qui a vendu le pétrole, ou alors une famille qui a fait ceci, c'est pour ça qu'ils se retrouvent au niveau, ils se retrouvent là. Donc faites très très attention, ne faites pas ça là. Il ne représente pas là toute l'Algérie, ce qu'il est en train de dire là, qui défend ce pays. Il ne représente pas l'Algérie, il représente les égarés comme eux, comme lui. Ne représente pas, parce que la Algérie, c'est des millions et des millions de personnes. Des millions et des millions. D'ailleurs, vous avez vu à l'arrivée de Samuel Eto'o là-bas en Algérie, comment est-ce qu'on est venu recevoir celui-ci avec un bouquet de fleurs, tous les honneurs ainsi de suite. On a remis à monsieur Samuel Eto'o, que toute l'Afrique, tout le monde entier d'ailleurs respecte ici là, avec ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas volé. On ne le lui a pas donné. Il n'a pas triché comme cela prétend là. Il a gagné ça parce qu'il connaît. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Alors l'Algérie qui est née hier là dans le football là, je ne comprends pas comment vous voulez y aller directement, sauter les étapes, sauter les niveaux quoi. Alors que la vie ici est comme les escaliers, hein. On monte le premier niveau, le premier ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va vous voulez aller directement arriver au sommet. Même les grandes nations qu'on a connues ici en Afrique, comme l'Égypte, le Nigeria, ainsi de suite là, n'ont pas voulu, n'ont pas fait ça. Ils ont d'abord prouvé. Vous voulez, avant de prouver, parce que vous avez fait deux exploits en Coupe du Monde, vous voulez déjà arriver directement. Non, il faut avoir les trophées. Alors, vous venez parler à un pays qu'on appelle ici le Cameroun, qui a par exemple 8 participations à la Coupe du Monde, qui a 5 Coupes d'Afrique, qui a les Jeux Olympiques ici là, qui a gagné les Jeux Olympiques, qui est finaliste comme ça à la Coupe des Confédérations. Attendez un peu, vous avez compris ce que j'ai dit là. Vous avez compris tout ce que j'ai cité là. Bon, ok, on repart un peu du côté de l'Algérie. L'Algérie a combien? 2 étoiles. Vous avez fait tout ce que nous Cameroun a fait là. Alors, c'est pour vous dire que il faut savoir faire des choses. Il faut savoir dire des choses. Quand tu as quelque chose à dire qui n'est pas plus long que le bout de ton nez, là, mais tu gardes ça pour toi là. Hein? Tu avales ta langue, tu la gardes là-bas dedans, c'est mieux. C'est ce que je donne, le conseil que je donne à certains égarés. Je dis bien ces deux ou trois personnes là qui font ça là. Ce n'est pas toute la jurée. Il y a des gens réfléchis, j'ai des amis algériens qui sont contre ça. Vous allez d'ailleurs voir dans cette vidéo-là comment d'autres personnes qui sont algériennes disent « Non, on n'est pas d'accord. » Il y a quelques qui sont égarés là parce qu'ils cherchent par exemple des hommes, ils veulent se faire voir, ils cherchent des followers, ils viennent dire du n'importe quoi là. Ils ne sont pas, c'est pas tous les Algériens. Nous tous, on est dans le même bateau. Vous allez le voir comme ça dans cette vidéo-là. Pour ceux qui vont rester, d'ailleurs, je vous dis, pour ceux qui sont dans cette chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, on va parler certainement très prochainement de la vidéo de Coco Emilia, juste pas. Entre parenthèses, ici, là, qui a coulé les larmes, qui est notre sœur africaine, parce que toute femme ici, là, mérite ou cherche l'homme, vous savez, déjà le petit Jésus, l'homme qui va l'aimer, ainsi de suite. Bon, ça, c'était la parenthèse, on continue notre vidéo ici, là. Alors, quand je continue ici, là, vous savez déjà que, qu'on compte même parmi les
grandes nations de football en Afrique. Parce que moi, je dis même d'ailleurs que le Cameroun, même, il est une très, c'est une très, très grande nation qui a écrit l'histoire déjà dans le monde entier, dans l'Afrique. Mais le Cameroun n'est pas une grande, grande nation de football à l'échelle internationale. Pourquoi je le dis? Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on n'a pas encore gagné. Avec tous ces exploits qu'on a fait, on n'a pas encore de Coupe du Monde. Et en Afrique, il n'y a pas encore de très, très grandes nations de football. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore gagné de Coupe du Monde. Il n'y a aucune équipe en Afrique qui a gagné une Coupe du Monde. Hein? À l'exemple ici, par exemple, de la France, qui est une grande nation. Si je vais me répéter comme ça, là. Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, ainsi de suite. Là. Donc, vous voyez un peu, quand je l'explique comme ça, vous comprenez de quoi je veux parler, quoi. Ils ont gagné aussi les Coupes d'Europe et ainsi de suite, là, mais ils ont encore gagné ici des trophées qu'on appelle ici la Coupe. Donc, ça veut dire, c'est la compétition qui rassemble les forts, les très, très forts de chaque continent. Les gens qui sont vraiment au sommet des sommets, comme un certain musicien qu'on appelait Sis Luc Sagapé à son âme, le sommet des sommets de l'Himalaya, là. C'est eux là-bas qui partent jouer là-bas. Après, maintenant... L'Algérie qui n'est même pas encore au niveau où c'est un pays que j'ai cité ici comme l'Égypte, le Nigeria, le Ghana qui sont parmi les grands pays que moi je peux essayer de voir ici là qui ont un peu plus de trophées ici là. Par exemple l'Égypte qui a je pense cette étoile ici là dans cette Coupe d'Afrique et pendant ce temps l'Algérie n'a que deux. Hein? Si je vais revenir comme ça, ne que deux. Après, maintenant, quand on recompte même encore, on essaie encore de faire même encore, qu'on va aller compter, on va encore aller penser ici à nos frères ivoiriens qui sont en train de venir en puissance. Ça sera le deuxième Cameroun qui va aussi gagner qui va faire toute cette participation que le Cameroun a fait, qui va faire aussi, qui va gagner tous ces trophées-là parce qu'ils sont en train de venir vraiment, ils ont compris la valeur. Et puis, ces gens-là, c'est nos frères ivoiriens-là, ont compris la valeur de gagner, ils ont plus le goût de gagner, donc ils sont en train de... Il y a aussi des Junis là-bas, et d'ailleurs, je vous salue mes frères ivoiriens là. Après, on peut encore parler comme ça de nos frères tunisiens là. On peut parler comme ça de nos frères tunisiens, qui sont d'ailleurs aussi une très grande, qui ont aussi gagné des trophées ainsi de suite là. Jusque là, je ne parle pas encore de l'Algérie. On peut parler de nos frères marocains, qu'on sait toujours comment, hein? Vous savez, ils sont aussi des perfects. Mais quand vous essayez de voir parmi toutes ces équipes que j'ai citées là, vous avez déjà vu certaines de ces équipes là, ou alors les coachs ou des ci ou des ça, qui se sont plaints qu'ils sont allés jouer, on a vendu le match, on a fait ci, ils ont perdu. Ce sont des gens qui acceptent les échecs. Quand ils partent dans une compétition et ils perdent, ils acceptent leurs échecs. Mais vous vous rendez compte que depuis un certain moment, l'Algérie s'est pris un peu la tête là, ils ont pris la tête là, hein? Comme on dit souvent chez nous, il a grandi les ailes, il se donne des ailes quoi, parce qu'ils ont fait l'exploit ici en 1982 et puis en 2014 hein, au Brésil, hein? Ces deux exploits là, ils ont fait prendre la tête avec les deux étoiles qu'ils ont là, non les amis. Ce que je vais vous dire, je vais vous apprendre cette leçon de la vie, que non, les choses ne se passent pas comme ça. Là, quand vous voulez aller loin, il faut d'abord être humble. Il faut accepter ses échecs. Pas toujours chercher à trouver des excuses, parce que ces excuses-là ne font que vous enfoncer. Parce que je vais vous dire d'ailleurs aussi que chaque personne ici-là a sa propre tombe. Tu as ta propre tombe, toi qui me regardes là, j'ai ma propre tombe. Hein, qui m'attend. Alors, l'Algérie même crée sa propre tombe sans savoir par le fait qu'ils ne font que dire on a acheté le match. Au lieu de se poser déjà des questions, mais pourquoi on ne fait que rater? Pourquoi on n'est pas parti en Coupe du Monde? Pourquoi on n'est pas fait ceci? Récemment, là, hier, il y avait la CAN en Afrique. Les gars ont commencé à trouver les excuses. Il y a la chaleur, il y a le relève qui est monté, descendu. Alors qu'on sait qu'au Brésil, là-bas, c'est une grande nation qui a gagné des Coupes du Monde. Il y a ces mêmes reliefs là-bas, c'est ceci, machin. L'Algérie a trouvé le temps de venir parler des reliefs. Le devenu jouer au football là, venu trouver les reliefs qui sont perpendiculaires, rectangulaires, ainsi de suite là. L'Algérie a trouvé le dit aujourd'hui il fait chaud, alors qu'on sait que l'Algérie, comment on sait comment il fait chaud en Algérie. Déjà qu'on est dans, on est en Afrique, il y a le désert, ainsi de suite là. Ils sont dans le désert même aussi.
Ils sont comme ça, à côté, dans le désert, l'Algérie. Vous imaginez qu'un pays à côté du désert, le Cameroun, même, je vais dire que bon, ok, peut-être dans le nord Cameroun, je vais dire que bon, ceux qui sont là où ils jouaient, là, l'endroit où ils jouaient, là, avec le centre, machin, ainsi de suite, là, il n'y a pas le désert là-bas, c'est un peu très éloigné, donc ça veut dire qu'il ne fait pas très très chaud là-bas. Aujourd'hui, un Africain qui vient parler de Chala, et l'Européen là, quand il vient en Afrique là, puis il va dire quoi, mon frère? Pas mon frère algérien, parce que c'est qu'il y a les Algériens, les frères algériens qui sont contre et qui sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Toi là, hein, quand tu viens parler de l'Algérien, tu vas dire quoi à l'Européen que tu vas venir, qui viendra passer les vacances chez toi? Il fait quoi? Il fait froid. Alors qu'on sait que dans plusieurs villes ici en Afrique, même quand il pleut, il fait froid. Il fait autant pour moi, il fait chaud. Il dit il pleut là, mais il fait froid, chaud. Excusez-moi, c'est même pas ce qui m'arrive avec le froid là, machin, parce que je sais pas, peut-être parce qu'il est en train de neiger là. Alors, je dis encore aujourd'hui, les chers frères algériens, arrêtez de vous prendre la tête. Chez nous, on dit souvent que le porc ne se dit pas gras. Laisse que non, quand on te mange, là, qu'on te dise que tu es gras. Quelqu'un qui se lève chaque matin et dit ceci, hein, qui dit ceci, se prend la tête, se dit très très beau là. Très beau, très tôt, très tôt, très beau. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Parce que vous voyez ce qui s'est passé par exemple en Coupe du Monde, je dis même en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, à la Coupe d'Afrique là. L'Algérie qui est arrivée, qui est venue, qui a passé le temps à se plaindre au lieu de jouer au ballon là. Les stades ont fait ci, les stades ont fait ça. Vous avez vu, là, en 2019, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils sont rentrés avec 0 pour le premier tour. Entre temps, pendant que leur entraîneur comme ça passait le temps à comparer déjà, à se voir déjà, à se mettre dans la bulle que nous, ils sont déjà au Qatar et ils visaient déjà le Qatar alors qu'il y a d'abord la Coupe d'Afrique ici là, qui est la plus grande compétition de l'Afrique ici là. Lui ne voyait pas ça. Il se voyait déjà seulement au Qatar. Pourquoi trop rêver là alors qu'il faut travailler là? Donc les gars se sont perdus, c'est comme ça qu'ils rentrent avec 0 points. Hein? Ils sont rentrés avec 0 points, comme la France, leur entraîneur qui comparait l'Algérie à la France ici là. D'ailleurs, même ils ont encore fait plus que l'Algérie parce qu'avec vous avez regardé avec moi ces matchs là. Hein? Vous avez regardé avec moi. Hein? Alors moi je dis ici là, les amis, chers Algériens qui me regardent aussi dans cette chaîne là, il faut savoir parler à certaines personnes que on n'a plus besoin de ça. Nous tous on est dans le même bateau, même si c'est que les peaux se diffèrent là. Nous tous on est partis à l'esclavage ici, machin, ceci là. Le soleil est réservé pour nous, on doit battre pour notre intégrité. D'ailleurs, ce que je vais vous dire là, ce que vous devez d'ailleurs faire à vous les Algériens là, au lieu de aller parler à vos icônes là, quand vous allez parler à monsieur Samuel Eto'o, monsieur papa Samuel Eto'o, tu dois l'appeler comme ça, toi qui me regardes là, toi qui passe le temps à dire des trucs là-bas au Qatar là. Tu dois comme ça là aller voir ce papa là, Samuel Eto'o, lui dire ceci: mon père, pourquoi c'est injuste que en Europe là il y a combien de pays là-bas? Regarde combien ils partent en Coupe du Monde. Pourquoi seulement nous on nous donne seulement 5 pays en Afrique? Voilà le genre de bagarre que vous devez faire, les amis. Hein? Pour toute l'Afrique, pas pour l'Algérie, pour toute l'Afrique. Parce que le même soleil, c'est pour nous tous. Voilà, par exemple, si on avait par exemple 7 ou 10 places, tu devais partir, toi, Algérien, là. Voilà le genre de combat qu'il faut faire et que de passer le temps à aller insulter vos icônes, machin. Vous pensez que si vous ne les respectez pas, hein, tu vois comment le respect, on lui donne, on respecte ce monsieur-là, là-bas, on respecte même dans ton propre pays, même que toi, tu dis défendre, là. Hein? Mais c'est toi, aujourd'hui, qui viens te placer là, tu dis, t'es... Vraiment, c'est quoi? C'est votre papa-blabla que vous prenez là, qui vous donne en ce moment ou quoi? Alors, moi je disais par exemple ici, l'Algérie qui se prend trop la tête, qui s'est vraiment pris trop la tête d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont connu tous les échecs. Et moi, pour résumer, c'est comme je vous dis toujours, on moralise avec ce qui se passe dans la vie, dans les amis. Quand tu vois déjà que tu es en train de faire quelque chose, tu es chef d'entreprise, tu es en train de monter, tu te prends déjà trop des ailes là, tu es en train de dire c'est moi, je suis le sommet de l'humanité et tout, c'est que ta chute est proche. Tu es en train de vouloir chuter. Si tu ne te ressaisis pas très rapidement, tu vas chuter très mal. Alors, n'acceptez pas. Acceptez que les autres là, c'est eux qui viennent vous dire que vous êtes diadrant, qui vous apprécient, qui vous surlèvent. Ne vous surlevez pas vous-même, les amis. Mais en même temps, gardez votre respect. Hein, parce que là, je suis d'accord avec vous. Gardez votre respect. N'acceptez pas que les gens vous manquent de respect parce que vous allez dire que vous allez rester normal, vous n'allez pas vous prendre les... Non. Tout ça dans le strict minimum de respect.
vraiment le respect là. Alors, moi j'ai dit, on ne vous jetez plus les fleurs. Sinon, votre chute est proche. Sinon, votre chute est très très proche. Laissez les gens vous jeter les fleurs comme on fait là. On dit, on est tous, on connaît dans le monde entier avec les exploits que le Cameroun a fait avec l'Argentine, qu'on connaissait Maradona qui vient, qui est entré au stade en 92, en 90 et tout, ainsi de suite là. Hein? Les gars sont venus. Hein? On a vu les espoirs que le Cameroun a fait en 90, 92, hein, 92, oui. Hein? Non, 90 d'ailleurs. Avec les gens, là, Maradona qui venait, il jouait, 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 jouait. Excusez-moi, même comme je confonds les deux dates là. Il fait taper les trucs là, machin, ceci là. Hein? Il est entré au stade là. Mais le Cameroun a nac. Cameroun a montré que non, ce n'est pas ça. On connaissait le Cameroun. Mais à partir de cet instant, on connaît le Cameroun. Comme d'ailleurs l'Algérie aussi, qui a été une fierté de l'Afrique. Je pense ici en 92, en battant l'Allemagne. Hein, et en 2014, des exploits. Ils ont fait deux exploits ici, là, qui représentaient toute l'Afrique. Nous, on était derrière eux. On a aimé ce qu'ils nous ont fait rêver d'ailleurs. Alors, c'est ce genre de choses qu'on attend et que de dire, ok, c'est arrivé comme ça. Là. Bon, je comprends que la frustration, c'est que tous les pays du Maghreb sont allés, Tunisie, Maroc, sont allés au Qatar, sauf eux. Ils ne parlent pas, c'est ça, c'est leur frustration-là. Et se trouve qu'ils trouvent des excuses, quoi. Alors, à leur entraîneur qui passe le temps à chaque fois là, à se jeter les fleurs, à se comparer, que non, il se voit déjà comme la France, il se voit, oui, c'est vrai, je ne dis pas non, c'est le même joueur là, joue dans les mêmes clubs. Mais ils prennent chaque niveau là, ils n'ont pas les mêmes niveaux, quoi. On voit déjà la différence de ces choses-là. Mais, vous avez compris, c'est le conseil que je vais vous dire ici à Algérie. Faites comme la France, si vous voulez aussi gagner comme le Cameroun. Là, par exemple, la France a pris beaucoup de... Après certains joueurs camerounais, là. Vos frères même à côté, là. Hein? Tunisiens, bon, pas Tunisiens, Marocains, ils ont dans leur équipe deux Camerounais, là. Prenons aussi comme ça, vous allez gagner tous les matchs. Vous allez venir même encore à Japon, vous allez gagner. Et on vous rappelle ici que vous avez même eu la chance ici que vous êtes venu gagner après plus de 20 ans que le Cameroun n'a plus jamais perdu au Cameroun. Vous êtes venu faire l'exploit, là. Donc c'est une chance, mais si vous imaginez, donc si vous prenez encore peut-être 2, 3, 4 Camerounais dans votre équipe là, vous allez voir comment vous allez gagner, vous n'allez plus pleurer chaque fois partout comme vous êtes en train de pleurer là. Donc c'était un peu ça, étant donné que on sait qu'on a connu dans l'histoire du football les remontades avec le PSG ici là, avec le Barça, ainsi de suite. Je vais essayer, il y a beaucoup de filles de matchs Manchester, ainsi de suite. On a connu le remontade, ça existe. Mais les gars, pourquoi vous n'acceptez pas ça? Pourquoi vous n'acceptez pas ça? C'est la réalité, c'est ça. Acceptez qu'il y a des choses comme ça qui existent. Comme quelqu'un a dit là que c'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es pas en danger. Notre entraîneur, le Rigo. Beaucoup de courage, mon frère. Hein? C'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es pas en danger. C'est quand tu sais que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Et c'est ce qui est arrivé là. Donc c'est comme ça. Hein, les amis? Alors, ce que moi je vais dire ici là, c'est que, chers Algériens, ayez l'ADN des, on les appelle comment, des champions comme le Cameroun. Vous avez entendu le Cameroun dire quelque part qu'on a vendu le match. Quand ils ont eu, on a connu dans les Coupes du Monde où le Cameroun pouvait aller et ainsi de suite. Ils ont perdu là-bas contre l'Argentine, l'Angleterre et ainsi de suite. Là. Est-ce que vous avez entendu le Cameroun se plaindre? Non. Alors, ayez l'ADN des champions. C'est l'ADN des champions, c'est quoi? Quand tu rates vraiment... Et tant fier que je me suis battu, mais j'aurais dû faire plus. Je ne dois pas donner avantage à l'arbitre. Quand vous accusez qu'on a vendu le match, on a fait ci, on a fait ça, c'est l'arbitre. Alors que le même arbitre là, vous vous rappelez en 2019 qui vous a qualifié au demi-finale et ainsi de suite là. Et surtout que cet arbitre, tu es un grand que nous on respecte en Afrique. C'est pas parce que tout ça se dit là, tu es un grand qu'on respecte en Afrique. Et d'ailleurs, ce que tu as pu faire en 2019 avec la même équipagerie qui n'a pas dit en ce moment-là que on t'avait acheté. C'est toi qui les as qualifiés. D'ailleurs, tu n'es non plus Camerounais. S'il faut même qui a éliminé même ton équipe, même d'ailleurs, là, monsieur l'arbitre là, c'est le Cameroun. Donc ça veut dire qu'il devait même être contre nous. Alors, chers Algériens, hein, ce monsieur-là, le ballon, c'est à terre. Chez nous, on dit souvent, c'est à terre que ça se passe. Ça s'est passé à terre. On ne connaît pas ces choses-là. Et, s'il vous plaît, respectez le Cameroun.
respectez le Cameroun. Cameroun n'est pas votre camarade, chez Algérie. Quand vous comptez, même vous voyez le nombre des étoiles qu'il y a là avec les coupes, et on appelle ça comment, comment ça m'échappe un peu là, hein? Les ballons d'or qu'il y a au Cameroun, ainsi de suite. Est-ce que l'Algérie a ça? Alors, à respecter le Cameroun. Quand on donne déjà les ballons, ça veut dire que ce sont les grands joueurs qui sont là-bas. C'est pour ça qu'on leur donne les ballons d'or, comme ça, de toute l'Afrique. Vous avez combien? S'il faut un peu comparer, que bon, on parle un peu de football, même à terre là. Alors, arrêtez ça. Alors, moi, je dis à chez l'Algérien, ayez l'ADN des champions. Ne cherchez pas chaque fois à trouver des excuses, parce que quand, au lieu de vouloir, on dit en allemand, se faire baisser, hein, s'améliorer là, toi, tu veux toujours trouver des excuses. Tu veux toujours trouver des excuses. Hein? Tu veux toujours trouver des excuses. Comme la petite que je vous fais voir là, qui se permet de s'égarer totalement, de dire des choses, des inabondables. Je sais pas. Écoutez un peu d'ailleurs. Casse un fils de. Je déteste les noirs. Voilà, voilà, allez vous faire foutre, bande de fils de. Personne ne veut me parler, puisque au nom de Dieu, aujourd'hui, je vais insulter des mères. Le corps de la mec, c'est une dinguerie de perdre comme ça. Encore une fois, comme d'hab, c'est toujours la même chose. À chaque fois dans une compétition, il y a des Maghrébins, on va perdre. Algériens, Marocains ou Tunisiens. À chaque fois, il y a un qui va aller faire une vidéo sur les réseaux en disant les Noirs, les Noirs, les Noirs. C'est un truc de ouf, c'est tout le temps la même chose. Moi, je suis Algérien, je fais partie de la seule équipe maghrébine qui a perdu. Et j'ai trop honte quand je vois des petites connes comme ça, là, aller faire une vidéo, les Noirs, les Noirs. Mais wesh, mais t'es bête ou quoi? Le pire, c'est, vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que je suis sûr à 10 000%, cette meuf-là, là, c'est une pique-nique, c'est juste pour faire voir aux gens de sa story, regardez, je suis le foot, regardez, je pourrais attirer des mecs. Eh, voilà, je peux pas, ce genre d'énergumène, je peux pas. Au lieu d'insulter les Noirs et de faire la conne de raciste sur les réseaux, là, je sais pas, cultive-toi un peu, on est africains, on est tous dans le même bateau. Voilà, nos parents, nos grands-parents, les immigrés qui sont venus en France, ils ont vécu les mêmes galères, et regardez comment ça se tire dessus pour du foot. Alors, vous avez suivi cette petite-là. Chance que son même frère à côté regarde celle-ci. Que non, c'est pas comme ça. Nous tous, on est dans le même bateau. Là, on a les mêmes problèmes. Nous tous, on est partis là-bas, là, que ce sont les gens-là. Donc, ça veut dire qu'on a les mêmes problèmes, qu'on en a les mêmes difficultés. C'est pas comme ça, là. C'est pas parce qu'eux, ils sont comme ça, là, que toi, tu, avec cette pose. Et d'ailleurs, que c'est une très belle, belle, belle peau qu'on adore. Moi, par exemple, j'adore ça, je te jure. Tu me donnes l'autre peau, là. Tu me donnes ci, tu me donnes ça. Je vais refuser tout. J'adore ma peau aussi. Et t'as su. Parce que je le dis pourquoi. Les difficultés que j'ai souvent eues de température, au travail, et ainsi de suite, ce que ça me fait. Par contre, tu vas voir, c'est pas que je suis pas dû, je peux pas créer quelqu'un. Mais c'est pas que les autres ne sont pas bien. Les autres sont aussi bien. Mais moi, je dis parfois, on est en train de travailler, par exemple, avec mes collègues. Il y a un truc qui se passe, ainsi de suite. Tu vas voir, lui, il est déjà rouge. Moi, par contre, je ne vois pas comment je suis rouge. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit que j'adore ma peau, là. Alors, la petite là qui s'égare carrément, qui n'a rien compris, qui ne connaît pas encore, là, avec même ses. Hein, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Elle vient s'égarer comme ça là parce qu'elle veut chercher les petits. Hein, tu vois un peu. Heureusement qu'il y a son propre frère qui a recadré, qui a dit ce qu'il fallait dire. Alors, nous, on ne va pas entrer dans ce jeu là. Il y a parfois des gens qui utilisent les trucs comme ça pour faire des buzz, pour se faire voir, pour trouver aussi le pétrolier là-bas. Pour trouver leur petit pétrolier, ou alors qui ont des frustrations dans la vie et qui ne savent à quel point se, ou alors à quelle personne se confier. Ils s'égarent carrément comme ça. Ils ont appelé l'un des papas ou quoi. Parce que vous savez que les gens là, le genre de personnes là, quand leur daron ou leur daron n'arrive plus à les gérer, c'est comme ça qu'elles font. Hein? Elles prennent les histoires là, surtout vous qui, quand vous partez en France, vous les voyez un peu là. Pas tous, hein. Il dit toujours il y a des exceptions, les quelques personnes qu'on trouve qui sont comme ça là en France là-bas. Je sais qu'on les appelle encore souvent comment, non pas les blidas, ils ont un nom là, les wesh wesh. On les appelle les wesh wesh là-bas en France. Quand les wesh wesh là, ils font souvent, parfois ils font comme ça, ils partent tomber et même dans les trucs là-bas.
dans les lacs. Donc, fais attention, peut-être mettre les dans l'eau là comme ça pour aller tomber dans l'eau là. Elle avait appris ces choses là. Donc, c'est un teuf ce que moi je voulais un peu dire, que non, arrêtez ça les amis. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez massivement. Et surtout, on reste comme ça dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, je vous adore. Dites ce que vous pensez, surtout en commentaire. Et comment est-ce que les problèmes comme ça doivent vraiment se résoudre en Afrique, entre nous les frères. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on soit bien dans notre Afrique. Parce que pour dire vrai, l'Afrique n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a beaucoup à travailler pour avancer, pour évoluer, pour que les choses changent, étant donné qu'on est dans le football et sinon on n'a que 5 places. Voilà une bagarre qu'on doit commencer comme ça là, à faire pour qu'on soit même, on parte aussi même peut-être à 8, on ajoute, nous nous ajoutons quand même 3 places. Voilà le genre de combat et que de combattre son propre frère. Alors si vous pensez que cette vidéo là vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce, de mettre votre commentaire comme ça en dessous et surtout de partager dans toutes vos plateformes. Alors c'est ça qui nous donne la force. Alors, ouais. Ciao pour la suite.